Greenwood, c'est le coach, les gars, c'est n'importe quoi en fait. Il était à 5 buts en 3 mois, il aurait pu craquer un triple à plus, alors que tu peux marquer, il peut pas marquer à chaque occasion. Moi, je trouve l'OM ce soir, honnêtement, l'OM aurait dû gagner largement. C'est un truc de ouf en fait. Donc voilà, le seul bémol, c'est le but encaissé. Et Toulouse, ils ont fait 2-3 frappes, je crois. Ils ont craqué un but, alors que Marseille, ils ont fait une dizaine de frappes. C'est ça en fait, il faut être efficace parce que sinon, on s'appelle cash si tu concrétises pas tes occasions. Moi, je trouve honnêtement, De Zerbi, il fait du bien. Greenwood, comme je l'ai dit, c'est un top player, honnêtement. Il a un talent incroyable. En plus, il a un bidest. Donc, du coup, voilà quoi. Devant Luis Enrique aussi, les gars, depuis son retour en prêt. Moi, je trouve en fait, il s'est largement amélioré. Donc, du coup, Amine Harit aussi, lui aussi, franchement, il a fait un très bon match. Moi, je trouve, hein, l'équipe s'est métamorphosée. C'est n'importe quoi, en fait. Donc, voilà quoi. Et Olivier, franchement, il a fait un bon match aussi. Et derrière, Cornelius, voilà, on va dire, il a tenu son rang. Quentin Merlin, ça va. Après, le carton rouge, les gars, moi, je trouve, c'est justifié parce que le geste, en fait, il n'a pas eu d'être parce qu'il a visé le genou, en fait. Après, même si, encore une fois, Kondogbia, c'est pas blessé, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est pas blessé. Moi, je trouve, il y avait carton rouge, après, voilà, quoi. L'OM, j'ai l'impression que l'OM était plus chaud à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10, en fait. C'est quoi ce délire? Donc, ils ont peut-être baissé le pied, mais à 11 contre 11, ils ont mis une intensité folle, en fait. Toulouse, ils ont eu du mal à respirer, à ressortir les ballons, c'était compliqué pour eux. Franchement, ça promet. Et le seul bémol, on va dire, c'est la défense. Et va falloir que l'OM s'améliore sur ce point-là. Donc voilà, quoi, le gardien était sorti. Moi, je trouve qu'il était sorti trop tôt. Après, ça arrive. Mais bon, là, 3-1 à l'extérieur, faut pas s'enflammer. Et c'est que le début de saison. Faut continuer comme ça. Et moi, je trouve que c'est pas mal. En gros, aussi, quand il est rentré, il a montré qu'il était mordant, qu'il avait envie, qu'il n'était pas là pour Sanga et qu'il était là pour gagner sa place. Et c'est bien, en fait, quand il y a de la concurrence, comme ça, les joueurs, ils vont tous se remotiver, ils vont tous se surpasser, en fait. C'est ça qui est bien, quand il y a de la concurrence. Et voilà, rien de fond.